Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Watch Dogs, jeu très gros succès de Ubisoft, l'un des jeux les plus vendus de cet éditeur. Il est sorti en 2014, je me suis finalement pris en 2016. Et donc pour cette vidéo, je vais vous proposer, je sais pas ce que je vais vous proposer, une petite vidéo gameplay tranquille, contrat de fixeur, non, on va faire escorte criminelle, parfait. Donc je vais prendre ça. Et en même temps, je vais. C'est bien ça ce que je fais. Ouais. Je vais vous dire pourquoi je me suis finalement décidé à prendre ce jeu 2 ans plus tard. En fait, c'est grâce à un ami qui m'a conseillé ce jeu. Il m'a dit en fait, ah, mais je comprends pas pourquoi t'es passé. Pourquoi t'es passé à côté de ce jeu? Il est vraiment bien, en plus c'est ton genre de jeu. Tu vas l'adorer. Moi je le kiffe. Vas-y, fonce, va l'acheter, tu vas aimer. Donc vous savez, avec de tels mots, moi j'ai pas pu résister. J'ai fait une recherche sur Le Bon Coin et je l'ai eu à 10 € et je suis très content de mon achat car c'est un jeu super fun à jouer. Alors, escorte criminelle, on est bientôt arrivé. Sachant que Ubisoft a annoncé pour cette année la suite de nos chers, la suite de notre cher Aiden, les aventures de notre cher Aiden. Aiden, le personnage principal. Donc, c'est le bon moment de pouvoir acheter le jeu. Une équipe d'initiation Viceroy. Ce qui veut dire qu'ils vont abattre des gens au hasard juste pour prouver qu'ils sont capables de le faire. Faut que j'élimine ces abrutis. Et donc voilà, en fait ça c'est le chemin que les abrutis en question vont prendre et je dois essayer de les intercepter avant qu'ils fassent leur bêtise, qu'ils aillent tuer les personnes. Donc en gros ils vont passer par ici et moi je vais essayer de leur concocter un accueil. Un accueil plutôt chaleureux. Je vais essayer de prendre. Ah, ça a l'air pas mal comme configuration. Je vais monter sur le pont. Voilà, ça a l'air pas mal ici. Je vais prendre le flingue adéquat. Je sais pas, on va essayer ça. Le mettre à couvert. Et voilà, ça c'est fait. Je vais voler sa voiture parce que ses potes ils vont tout simplement péter un câble. Donc là, ils sont en train de me poursuivre. Oups. J'ai activé les Hearths. Et ça, c'est la grosse. Le plus gros truc que je peux faire contre eux. Faire péter les canalisations. Donc voilà. Ma voiture ne roule plus trop bien. Donc je. Je vais me mettre là, on va avoir de l'action avec, avec mes petits joujoux. Waouh, ils sont plusieurs. Et voilà, c'était une petite phase de gameplay que je voulais vous montrer, une petite vidéo détente, sans prise de tête. J'espère que vous l'avez apprécié. Et donc, c'était Matt Tracer pour Yamada Game. Au revoir!